Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va étudier le deuxième chapitre, la respiration dans différents milieux. On va commencer par une petite introduction. Donc, tous les êtres vivants, animaux comme végétaux, respirent. Ils prélèvent de dioxygène et ils rejettent le dioxyde de carbone. La respiration, c'est le fait d'absorber l'oxygène à partir du milieu de vie et de rejeter le dioxyde de carbone. On peut mettre en évidence l'absorption de l'oxygène ou bien la diminution de la quantité d'oxygène dans le milieu grâce à un appareil appelé l'oxymètre. Donc l'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dans l'air ou bien dans l'eau. On peut aussi mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone grâce à une solution appelée l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est un liquide incolore qui blanchit en présence de dioxyde de carbone. Donc si l'être vivant rejette le dioxyde de carbone dans le milieu, donc ce liquide-là, il va être blanchi, il va être blanchâtre et il va se troubler. On va étudier la respiration dans deux milieux. Donc, dans le milieu aquatique, dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, l'ouassat al-ma'i, et dans le milieu aérien, c'est-à-dire dans l'air, al-ouassat al-hawaï. Donc, la respiration peut se faire au milieu aquatique comme peut se faire dans le milieu aérien. Les animaux réalisent les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes respiratoires. En milieu aérien, il y a plusieurs appareils et organes respiratoires utilisés pour prélever le dioxygène à partir de l'air. Et on va dans ce chapitre, on va voir la respiration dans le milieu aérien. Et on va citer comme exemple l'homme, l'escargot et le criquet et aussi les plantes aériennes. Dans le milieu aquatique, on va citer quelques exemples d'animaux comme le poisson, comme certains mammifères comme l'orque, la baleine et le dauphin. Et on va aussi étudier la respiration chez les plantes aquatiques. Donc la respiration au milieu aquatique, donc les animaux réalisent des échanges gazeux avec l'eau. Donc ce schéma-là, il représente donc la structure ou bien il représente les différents modes de respiration et les exemples qu'on va citer. Donc, la respiration chez les êtres vivants, elle peut se faire dans le milieu aérien comme dans le milieu aquatique. Dans le milieu aérien, on va étudier la respiration chez l'homme, qui est un mode de respiration pulmonaire. Donc, l'homme, il est capable de respirer grâce aux poumons. Donc, on va aussi étudier la respiration trachéale chez les insectes, comme le criquet, et la respiration par l'estomac chez les plantes aériennes. Dans la respiration aquatique, on va étudier la respiration chez les poissons, qu'ils ont une respiration bronchiale grâce aux branchies. Et on va voir aussi la respiration des plantes aquatiques à travers les écailles. Donc, les types de respiration. Donc, il y a en général quatre types de respiration. Donc, une respiration bronchiale grâce aux branchies, par exemple chez les poissons et certains crustacés. Donc, aussi la respiration cutanée chez vers de terre et chez la grenouille. Donc, la grenouille, c'est un animal qui est capable de respirer dans deux milieux, dans le milieu aquatique et dans le milieu aérien. On va aussi étudier la respiration pulmonaire chez les mammifères et finalement la respiration trachéenne chez les insectes. Donc on va commencer par la respiration pulmonaire chez l'escargot. Donc l'escargot, il possède un seul poumon et un orifice respiratoire. Donc cet orifice respiratoire, il s'ouvre et se ferme selon les besoins en oxygène chez l'escargot. Donc, on voit dans cette photo, donc dans cette photo, donc vous voyez
que l'orifice respiratoire il est fermé. Par contre, dans cette photo, donc l'orifice respiratoire il est ouvert. Donc cet orifice respiratoire, c'est le lieu d'échange gazeux chez l'escargot. Donc on passe maintenant à la respiration chez l'homme. L'homme, donc, il possède aussi des poumons. Donc l'homme, c'est un mammifère qui est capable d'absorber l'oxygène à partir de l'air. Donc il possède une respiration aérienne. Concernant l'appareil respiratoire chez l'homme, donc il est formé par le nez, la bouche, les poumons et le diaphragme. Le diaphragme, ce sont des muscles qui se trouvent ici et qui permettent la respiration ou bien qui facilitent la respiration. Si on regarde ce schéma-là, on remarque que les poumons chez l'homme, ils ressemblent à un arbre. Donc, comme vous voyez, il y a la trachée, donc qui se divise en deux branches. Donc, chaque branche est divisée en bronchiole qui se termine par les sacs pulmonaires. Chaque sac pulmonaire, il contient des alvéoles pulmonaires. Donc, les alvéoles pulmonaires, ce sont les lieux d'échange gazeux chez l'homme et certains mammifères aussi. Donc l'oxygène, il va entrer par la bouche ou bien le nez, et il va aussi passer par la trachée et les bronches et vers les bronchioles jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des alvéoles. Et à ce niveau-là, ils vont faire les échanges gazeux avec le sang. Donc chaque bronchiole, comme j'ai déjà dit, se termine par un sac alvéolaire composé de multiples alvéoles pulmonaires. Un réseau capillaire sanguin entoure ce sac pulmonaire. Donc passons maintenant à la respiration chez le criquet. Donc le criquet, c'est un insecte qui est capable de respirer grâce à une respiration trachéenne ou bien c'est une respiration qui consiste à échanger les gaz respiratoires grâce à des orifices qui se trouvent dans l'abdomen du criquet. Donc, si on fait, si on fait, on fait, on fait, si on bouche ces orifices respiratoires qui sont appelés les stigmates, si on fait boucher ces orifices respiratoires, donc on constate que les insectes ne peuvent pas, ne peuvent plus respirer. Donc le criquet meurt. Donc on va remarquer la mort du criquet. Ce qui montre que ces orifices respiratoires ou bien les stigmates, ce sont les lieux d'échange ou bien ils jouent le rôle du nez ou bien de la bouche chez l'homme. Donc, comme vous voyez ici, donc ces stigmates ou bien les orifices respiratoires, ils sont reliés par des canaux. Donc ces canaux, ils sont ramifiés en des canaux plus fins. Donc ce système-là, il est appelé les trachées. Donc le criquet, il est capable de respirer grâce aux trachées. Donc c'est une respiration trachéenne. Donc, après l'entrée de l'oxygène par les stigmates ou bien ces orifices respiratoires, il va vers les organes. Donc, les organes, ils vont capter ou bien absorber le dioxygène, ils vont libérer le dioxyde de carbone qui va quitter par les stigmates aussi. Donc, les stigmates, ce sont des orifices respiratoires qui permettent les échanges gazeux chez le criquet. On passe maintenant à la respiration chez les poissons, la respiration bronchiale. Donc, sous chaque opercule chez les poissons se trouvent quatre branchies. Donc, chaque branchie est constituée de plusieurs filaments. Au niveau de ces filaments se font les échanges respiratoires chez les poissons. Donc, si on dissectionnait l'opercule, on va trouver sous l'opercule quatre branchies. Chaque branchie elle est formée par des filaments bronchiaux. Donc, au niveau des filaments bronchiaux, se font les échanges gazeux respiratoires. Maintenant, on va étudier la respiration
cutanée chez les vers de terre. Donc, il y a des animaux qui ont une respiration cutanée, comme les vers de terre, qui respirent à travers sa peau. Aussi, il existe chez certains animaux, comme la grenouille, une double respiration. Donc, les grenouilles sont capables de respirer grâce aux poumons et grâce à la peau. Donc, la grenouille, il est capable de respirer par les poumons au niveau du milieu aérien et par la peau au niveau du milieu aquatique. Donc, il faut aussi noter que le milieu de vie peut être différent du milieu respiratoire. Donc, certains animaux, donc aquatiques, comme les dauphins, la baleine et l'orque, ils sont capables de respirer dans le milieu aérien, mais ils occupent le milieu aquatique. Donc, le dauphin et la baleine et l'orque, ils possèdent dans la côté ou bien dans la partie dorsale de ces animaux, il y a des orifices respiratoires qui permettent les échanges gazeux. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, c'est un schéma qui représente le système respiratoire chez les dauphins. Donc, vous voyez qu'il y a des orifices, ou bien un orifice, pardon, respiratoire. Donc, cet orifice respiratoire, donc, il permet de faire les échanges gazeux. Donc, l'oxygène, il va passer par ce canal-là vers les poumons. Donc, vous voyez que c'est un animal aquatique, il possède deux poumons. Concernant la respiration chez les plantes aériennes, donc les plantes aériennes ne possèdent pas un appareil respiratoire comme les animaux, mais elles sont capables de faire les échanges gazeux à travers les feuilles. Donc, au niveau des feuilles, il y a des structures qui permettent les échanges gazeux qui sont appelées les stomates. Donc, au niveau des stomates là, les stomates, ce sont des ouvertures ou bien des orifices respiratoires chez les plantes qui permettent les échanges gazeux chez les plantes. Donc, les stomates, ce sont des petites pores situées à la surface des feuilles qui s'ouvrent et ou se ferment selon les besoins de la plante. Concernant la respiration des végétaux aquatiques, donc la végétation chez les plantes aquatiques se fait à travers toute la surface du corps de la plante. Donc, cette photo résume qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, il y a des animaux qui occupent le milieu aérien, comme l'escargot, comme l'homme, etc. Donc, ces animaux, ils sont capables de faire les échanges gazeux grâce aux organes respiratoires. Concernant la respiration chez l'escargot, pardon, c'est une respiration pulmonaire. Chez le criquet, donc, il est capable de respirer grâce au trachée. Donc, c'est une respiration trachéenne. Chez certains animaux, ils sont capables, ou bien ils ont une double respiration, une respiration dans le milieu aquatique grâce à la peau et une respiration pulmonaire dans le milieu aérien. Donc, il y a aussi des animaux qui occupent le milieu aquatique, comme les poissons, et qui sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'eau grâce aux branchies. Donc, la respiration, c'est un phénomène qui consiste à absorber l'oxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc, les végétaux aquatiques sont capables de respirer à travers toute la surface de la plante. Donc, les échanges gazeux ils se font entre le végétal et l'eau. Chez les plantes aériennes, elles sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'air à travers les stomates. Donc, dans le milieu aérien aussi, il y a l'échange entre l'air et le sang à travers des organes spéciaux, comme par exemple les poumons chez l'homme et comme les trachées chez le criquet et chez certains insectes.
Les animaux respirent dans l'eau grâce aux branchies, comme par exemple les poissons. Donc, merci pour votre attention. Donc, on se verra, inch'Allah, dans la prochaine vidéo.